Je vous présente le livre de Lucia Berlin, Manuel à l'usage des femmes de ménage chez Grasset. Ce livre est assez exceptionnel, il est paru en 2015 aux États-Unis. Il a été tout de suite sur les listes des meilleures ventes du New York Times, et ceci 11 ans après la mort de l'auteur. Voilà, c'est un livre posthume avec plus d'une quarantaine de nouvelles, presque une cinquantaine, sur à peu près 80 de ce qu'elle a écrit. Donc on peut penser que ce sont les meilleures. Ce livre se lit comme un roman parce que ces nouvelles, dans chaque nouvelle en fait, il y a une femme. Et cette femme, c'est Lucia Berlin. C'est une femme qui a eu une vie incroyable, qui a énormément voyagé, qui a fait tous les métiers, y compris celui de professeur, qui avait une écriture très précise, très réaliste sur des choses de la vie. Mais alors, quand vous le commencez, vous ne pouvez plus vous arrêter. Et on a l'impression de lire un roman. Voilà. Et c'est assez phénoménal. Je vous le recommande vraiment parce que c'est une curiosité au départ, mais c'est ce genre de livre qui devient un classique d'entrée dès sa parution.